Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Repas Universalis 4 avec notre Vikling et le jeune Jinung Einar Slansen, il est toujours pas marié. Alors j'ai prévu d'attaquer Venise dès que possible, mais pour essayer de prendre la crête, pour pouvoir attaquer le Mamelouk éventuellement, parce que l'Ottoman, j'ai pas d'expansion agressive sur lui, zéro. Donc je pourrais attaquer le Mamelouk, prendre quelques trucs. Et puis surtout, en attaquant le Mamelouk et en prenant 2-3 trucs ici, je pourrais commencer à venir là. Éventuellement m'étendre là. Ça ne ferait pas d'expansion agressive ailleurs. On irait tranquillement, hein. Mais voyez, ce qu'il faut, c'est empêcher Tunis et Maroc d'avoir accès à la mer pour pouvoir ensuite, à notre tour, venir piller Castille, Aragon et tout ça, quoi. On se ferait plaisir quand on les remplacerait. On sait qu'on se fait beaucoup plus de thunes qu'eux. Ça serait donc plus rentable d'une façon globale que ce soit nous qui pillons. Et en plus, en prenant la crête, quitte à me mettre les Ottomans à dos, je pourrais aller piller jusque là-dedans, quoi. Je pourrais tout venir piller, tout ça, là. Parce que la crête, ça touche à 1, 2, 3, 1, 2, même de toute façon. Et là, 1, 2, 3. Alors, je pourrais pas aller tout piller là-bas, mais je pourrais aller piller ici. 1, 2, 3, ouais. Ouais, donc je pourrais vraiment piller presque tous les Ottomans. Je pourrais piller tous les Ottomans, quoi. Parce que ça, c'est Ottoman. Non, je pourrais pas piller ça. C'est tout. Mais je pourrais le mettre à mal. Et ça l'affaiblirait d'une façon générale. Donc ça serait plutôt bon pour moi. Parce que de toute façon, il va m'en vouloir à un moment ou un autre. Donc ça serait plutôt tout bon pour moi. Pour attaquer Venise, il faut faire une revendique. Parce que je le jouxte pas. Mais je le vois à travers la mer. Voilà. Et puis il est très fort, donc faudra saisir après une opportunité, mais il faut d'abord avoir ma revendique. Hein. Là on fait pas de troupes, on attend. Alors oui, hein, avant on gagnait beaucoup plus de points, et maintenant on gagne beaucoup moins de points. On va aller insulter quelqu'un pour passer à au-dessus de 50 les points. Qui fait que du coup les pertes seront moins. On est passé de 18 à 11. On a perdu 7 points. Mais si on arrive à passer au-dessus des 50, on aura compensé. Et on n'aura plus que 4 de pertes par mois par rapport à avant. Ça sera pas si mal. Vraiment pas si mal. La production. Vas-y, fais-toi plaisir. Franchement, il y a moyen là. Il y a des gens qui sont pas contents ici, mais c'est pas l'air très pertinent. Là, on est à zéro. Ah tiens, on va insulter Danemark. Et ça devrait pouvoir me permettre d'avoir une petite alliance avec la Moscovie. Et ben voilà, on fait moins les malins. Alors trop de relations, oui, je sais, mais en même temps, la vie est dure. Ah, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Pskov, 74. Amélioré à 194. On ne peut pas faire grand chose de plus. Si ce n'est que ça va remonter extrêmement vite. De 9,4 par an. C'est donc pas avant... dans 10 ans... dans 12 ans qu'on pourra l'annexer. Ah, moins de l'influencer et de faire un don. Mais pour l'instant, je peux pas l'influencer. Mais je pourrais faire un petit subside quand même. Ouais, je pense que je vais lancer un petit subside. Parce qu'il y a moyen. Donc 400 ans. Voilà. Et on pourra faire un don. Imposer la religion, on pourrait presque le faire. Mais ça sert à rien. Apaiser les dirigeants. Accorder une province, commencer à imposer les QH, commencer à faire payer, dérouter le commerce. Non, rien de spécial à faire. On va même pas lui interdire le développement. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Oh là! Non, Bénédicte ne dirigera pas. Elle est super la GG là.
Et toi, tu vires, toi. Je vais attendre d'avoir un peu de marge en prestige. Jamais très bon des temps négatifs. On va aller voir nos tribus. Je comprends pas. Ils sont pleins là, voir ça a dévasté nos provinces. Le point d'équipe de la loyauté, on s'en tape. Qui baisse un peu. Ah non, il a baissé là. Requête sans réponse, requête sans réponse, et puis encore requête sans réponse. Hein. Décidément, on n'arrête pas de. On va arrêter de faire des requêtes, hein, ça sert à rien. On s'en prend plein la figure pour pas grand chose. Ouais. Hop là, les casernes, c'est pas bon. Les ateliers. Bruges, oui. Anvers, oui. Amsterdam aussi. Les bateaux. 28 sur 31. On va pouvoir sûrement faire une caserne. Alors, c'était long là, j'espérais que ça serait plus rapide parce qu'il y avait une opportunité à saisir. En même temps, j'ai toujours pas déplacé mes troupes. C'est moi qui suis long. Est-ce que je peux le faire celui-là? Je pense que j'ai le temps de déplacer mes troupes à nouveau. Raguse, pourquoi pas, on sait jamais. Quoique Raguse, on pourra jamais le prendre de toute façon. Corfou, c'est rigolo. Finalement, Raguse, ça me plairait plus. Voilà. Et Corfou. Et surtout la Crète. Et les hospitaliers. Donc quelqu'un débarque sur place pour prendre les hospitaliers. Hop là. Alors, est-ce qu'on attaque tout de suite ou est-ce qu'on attend? On attaque. Du coup, toi, tu vas là, te cacher. Alors là, Bourgogne.
Mais c'est pas vrai. Ah, j'aurais pu m'allier avec la Moscovie, tiens. Parce que 160, c'est quasiment sûr. T'étais trop méchant, toi. Et toi non plus. Bah, par où je passe, moi? Liège, il ne me laisse pas passer. Je me sens un peu con là. Hop, merci Liège. Les chrétiens appellent à la croisade contre nous. Je sais pas, c'est un truc que je sens bizarre là, cette histoire. Français, tu vas me laisser passer. Merci. Là. Provence, Savoie plutôt. Importation de fer, on va encore prendre du mercantilisme. Points militaires. La techno à moins 50. Je vais attendre un peu. Il m'étonnerait beaucoup que quelqu'un la prenne là. Un, deux. Deux, deux, un. C'est toujours mieux que lui. Hop, bah il est parti, lui, c'est lui, il s'esquive. On va regarder ça avec intérêt. Alors ça, c'est quoi ça, colline? Faut que j'aille l'aider. Florence. Ah, Florence me donne pas l'accès. On va essayer d'aller prendre Ferrare. On pourra circuler comme ça un peu plus. Il m'attaque pas, c'est déjà ça. Ah! Technologie militaire, faut la passer déjà? Et qui est-ce qui est passé 7 en premier? C'est pas très clair cette histoire. Mamelouk? Khorasan?
Brabant. Le Brabant. 5, 5, 7. Très bien, bah. S'il faut payer, faut payer, hein. On va pas s'abstenir. J'ai laissé passer l'occasion. Ah bah excusez-moi. Bah j'ai laissé passer l'occasion. Plus de points. Bon, c'est pas grave, du coup je vais attendre. Je vais attendre à fond. Je vais même pas la prendre. Du coup, on va prendre des doctrines à la place. Allié de confiance. Avoir de la dépendance. Ouais, enfin, faut en avoir deux, hein. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Ici. Les subsides, ça progresse doucement. C'est quoi ça? Des collines? Mais moi je suis dans des prairies. Et là, des terres arables. Mais oui, ça change tout. Je peux l'attaquer dans les collines plus tard. Mais pas maintenant. En même temps, je viens de passer ma techno. Donc il va pas m'attaquer non plus. Un et là, deux de siège. Toi, il a un de siège. Ah, mais je peux pas passer. Alors, on va se mettre là. Ils sont arrivés en bas, pas très gênant. Ah bah voilà. Allez. Ok oui. On fait pas d'innovation avec ces doctrines là, bah non, elles ont été découvertes il y a très longtemps. Est-ce que ça vaudrait... Oui, ça vaudrait le coup d'aller chercher tout ça. Tout ça, jusque-là. Jusqu'à l'amélioration des relations, bien sûr. Pour avoir nos deux diplomates en plus, plus l'amélioration des relations. Et on aurait le coût en score de guerre de la province moins 10 et le coût en score de guerre de la province moins 20. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si j'en prends 1, 2, 3, 4, je valide. Pas ça, mais pas loin. Avec un petit coup de main, on y arrivera. De toute façon, on va tout prendre, je pense. Les technologies diplomatiques, on ira les passer plus vite ensuite. On est déjà pas mal. 34-2, voilà. Bourgogne me rivalise, ça me fait pas pire. Allez, pays menaçant. On ira faire les alliés prochainement. Alors je rappelle que je veux juste la crête. D'ailleurs, est-ce que je peux le prendre sans que ça gueule de partout? Non, parce que j'ai plus ça. Il ne veut plus me la donner. Faut que je récupère ma province pour avoir la portée. Accès militaire, Milan et Savoie. À Savoie, on peut l'arrêter. Ah, il s'échappe. Là, on va retourner là-bas. Il y a un nouveau
plein de sous à piller. Est-ce qu'il serait pas en train de partir vers chez moi là-haut? Ça m'inquiète un peu. Envers Amsterdam, La Haye, tout ça, on va faire. Autriche est pas dans la guerre contre moi. Ça fait peur. Elle revient là-bas. C'est qu'on a du pillage à faire. Combien on se fait? Pas tant que ça. Il est monté ou pas? Il est pas monté. Moins 42 la Hongrie, tu vas te faire choper. Va bah mince. Bah, maître recruteur. Faillite d'un marchand, on laisse tomber. Pas grave. La trêve avec Riga a expiré, donc je dois pouvoir l'annexer. Mais je peux pas, j'ai pas assez de points. Moi les zous. On peut aller là-bas. Est-ce qu'il est chez nous? Pas encore. Pourquoi on a si peu de score de guerre? Parce qu'on n'a pas l'objectif, mais pour l'instant, on pourrait être amené à le prendre prochainement. Si la Hongrie sort, c'est pas trop mon problème. Contrebandier. Prenez l'Afrique parce que franchement, j'ai pas envie de perdre mon efficacité commerciale. Et là, on va pouvoir se faire une belle séance de pillage à la fin de cette guerre. Une magnifique séance de pillage. Et de brigade. Par contre, j'aimerais autant la gagner. Aucun artiste digne de mécénat. Ah bah triste. Ming va attaquer Chagatai. Ça me fait un peu ni chaud ni froid. Pourquoi vous avez arrêté d'attaquer Luc? Tension entre les nomades et les sédentaires. Ouch. Et voilà, on va encore en prendre plein la figure. Ok, ils ont récupéré Estrie. Hop, purée! Au secours. Techniquement, on n'a pas eu beaucoup de pertes. Mais ça veut dire que l'autre, là, il est tout seul. Ça veut dire qu'il est bien, le... Tant qu'il est là, ça veut dire que le Hongrois, il est tout seul à faire son taf. Ah ouais, le problème, c'est qu'il fait son taf chez lui pour le moment. 33 000 et déjà moins 14.
Faut aller aider l'Écosse pour les îles Orcades. Non, perte tes îles Orcades. Désolé, Écosse. Si t'avais eu des alliés, Écosse, mais j'ai checké avant la game, t'avais rien, t'as que moi. Je vais pas me battre tout seul contre le Danemark, faut que j'attende une opportunité. Avec la Moscovie, il y a des meilleures offres. On va l'attaquer, je vais l'attaquer. Tu vois, mais alors pas tout de suite. Si seulement j'avais pu le valider avant lui, je l'aurais attaqué dans les plaines, là, un contre deux. Tendu là, hein, entre les hordes qui m'embêtent, ça remonte vite quand même. Alors on en est où là? On a toujours pas Raguse. On a tout repris ici. Là il y a une petite bataille de rien. Riga. Moins 10%. Elle est dure, mais on va y arriver. Le problème, c'est que c'est pas pour la paix blanche que je suis venu, c'est pour ça. Et là, on est à moins 1145. Donc, du coup. Soutien croissant, excellent! La baisse de la lassitude de guerre, je prends volontiers. Enfin, c'est pas vrai, ils sont repartis là-bas. Riga, 4000 hommes, fait le siège. Ça, c'est très bon, ça. Allez, il faut que je le tombe, là. Est-ce qu'il y a moyen que je libère des gens et que je parte là-bas? Oui. Orgo. Révolution agricole. Augmentons la production. Ah, j'aurais dû augmenter les réserves, tiens. Je sais que je fais tout le temps la prod, mais là, excellent. Go. On y va tranquille. On fait ça. Et on repart sur l'autre. Là, il y a une bataille gagnée. Mine de rien. Raguse, objectif de guerre. Personne ne va jamais aller prendre Raguse. Quand même du mal à le croire. L'Autriche, elle s'en sort. L'Autriche, elle s'en sort, hein. Luc serait peut-être prêt à sortir. Pas encore, mais il a une chance de tomber. Alors s'il tombe, il va sortir en payant en plus.
Un diplomate. Conscrit de la province, plus un diplomate. Et ben maintenant, on peut aller sur les alliés. Et on peut refaire une tentative de paix. Et si tu me cèdes plus de trucs? Genre Rod, Corfou, tout le monde me détesterait. Ouais, de toute façon, je suis pas venu pour Raguse, je suis venu pour prendre d'autres choses. Hop là. Avec ses 25 000, il a changé d'avis. Il n'ose pas trop venir me voir. Hein. Et pourtant, on est dans les collines. Canon de bronze. Ça me fait penser que moi aussi, je pourrais faire des canons. Ça serait pas de refus. Hein. Mais je me les ferais choper. Mais en même temps, c'est le dernier espoir pour me faire un canon là. C'est l'âge d'or des Ottomans. Les gants font des casernes. Moins 4%. Ah, une des... Oh là là, tout est en déroute, là. Comment vous démerdez? L'Autrichien, où sont tes troupes? 9000... 14 000, t'as vraiment pas grand chose. C'est ça, c'est tout ce qui est en déroute. Ah bah belle mentalité. Je serais pas étonné que tout me tombe dessus ensuite. Voilà, on va enfin pouvoir passer. Oh, je peux sortir... Luc, est-ce que je peux le sortir de façon vigoureuse et en prenant vraiment beaucoup de trucs? 35 pièces d'or. Laisse-moi ton score de guerre, finalement. Luc. Il est très utile. Ah bah voilà! Ah bah voilà! Ah bah voilà. Venise, t'as 595, pourquoi tu voudrais pas me donner un petit peu plus de sous au point où on en est? Parce que tu sais que j'ai pas peur de toi. Hein. Alors ça, c'est des collines. Bois, marais, bois, prairie, Rijeka. Trévise, colline, prairie ici. Donc ici, Rijeka, on peut se battre. On va renoncer. Je veux ça. Et... quand même un petit peu, 173, écoute, je prends. Voilà. Bon, bah maintenant là... On n'a pas d'agitation. Si on a 17, mais tu sais pas ce qui s'agite. Bah c'est des séparatistes. Voilà. On va très probablement devoir aller là-bas pour contrôler les séparatistes crétois. Impact de l'expansion agressive. Ratio cavalerie-infanterie plus 20.
sur les terrains identiques à la capitale. Terre arabe, c'est pas mal, hein, quand on est dans le coin de l'autre. On va prendre l'impact de l'expansion agressive, bien sûr. Allez, on est parti. C'est notre tournée. Du coup, on va faire en deux temps, hein, parce qu'on a pris beaucoup de retard. Donc là on va pouvoir aller faire beaucoup plus ensuite. On va revenir ici bien sûr. Crète, on va te piller. Voilà, tout le monde est heureux. Temple et marché. Franchement un temple ici. Ah bah voilà. Du coup ça valide, mais c'est pas assez pour qui même. On va arrêter avec les demandes, hein, parce qu'à chaque fois c'est des demandes idiotes qu'on peut pas satisfaire. On va laisser remonter tranquillement jusqu'à 50, ce qui va arriver en 84. On pourra prendre des terres à ce moment-là. À moins que... Ouais mais ça me donne 5 de loyauté, mais ça me donne pas 5 de points d'équilibre si je fais ça. Du coup, c'est pas bon. Et ça non plus. Donc tout cela, c'est pour plus tard. Ok. On en est où ici? ?17/18. Je peux en faire un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Nous, on va s'arrêter là et on est parti pour piller, 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 piller. Avec nos bateaux rasiers plutôt, on a pris presque 5 ans de retard au fur et à mesure, en 3 fois, donc c'est la quatrième fois, on a pris 5 ans de retard. On a laissé se passer un peu trop de temps à chaque fois, mais bon. Là, on va se faire l'ottoman méchamment, hein, du coup. L'ottoman est le même look. Hein. Après, l'hospitalier, normalement, il fait la même chose que nous, donc ça va pas forcément nous ouvrir des nouvelles choses. Tant qu'on prend pas l'hospitalier, on peut rien faire. Mais moi, je croise les doigts pour que l'hospitalier se fasse bouffer par quelqu'un d'autre. Mais en attendant, moi je vais faire une petite revendique sur lui. Hein. Parce que comme ça sera plus propre, plus net. Et pour finir, on va se faire plaisir. Ah non, je me suis déjà allié avec la Moscovie. Je me disais, on va s'allier avec la Moscovie, ça paraît une bonne idée. Ben oui, très très bonne idée. On a tout ce qu'il nous faut comme alliance ici. On va vérifier. Alors les manufactures, ça va être tellement bon, tellement bon. Les manufactures. Danzig, Salentin, Memel Tuchel, c'est pas celle que je veux. Ça me sert à rien tout ça. C'est toutes celles qu'il faut pas. Malheureusement. Production. Amsterdam. La Haye. Lille. Gand. Bah oui. Voilà. Bah les autres aussi, hein, de toute façon. On est tellement bien. Allez, je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.